Le PRA, c'est un lieu d'accueil et d'information jeunesse destiné aux 11-25 ans et à leurs parents. On accueille surtout, en fait, le cœur de cible, c'est les 15-20 ans. Donc à partir de 15 ans, surtout pour les questions d'orientation scolaire, d'apprentissage. Et puis après, on a surtout des demandes qui concernent l'insertion professionnelle. J'essaie de trouver un petit job pour les vacances ou pour les mercredis après-midi. Je peux demander des conseils pour trouver des entreprises qui prennent. Je ne suis pas là devant un psychologue ou une assistante sociale, non, j'aime pas ça. Quelqu'un qui est comme ça jeune, ça les motive. Hein. Elle m'a fait faire un CV, une lettre de motivation. Et c'est grâce un peu au PRA que j'ai trouvé un peu du travail ces derniers mois. C'est bien aussi de venir ici. Ça nous permet de parler, d'ouvrir notre cœur, on va dire. Des trucs que j'arrive pas à le dire avec mes parents, je viens, je le dis à Linda. Elle nous aide, elle. Surtout, que ce soit relation, travail, études, tout. Pour aussi me motiver. C'est vrai. Parce que ça, c'est mon gros problème. Je me démotive très, très vite. Moi, quand je parle à mes copines, c'est pas la même chose. Quand je parle à Linda, c'est ma deuxième maman, comme je lui dis. J'aime bien, en fait, elle nous aide à trouver des sites pour l'année prochaine, pour aller à Lyon, pour les facs, pour l'université, pour plein d'autres choses. Ils peuvent m'aider à réaliser un CV. Des fois, j'aime bien venir quand j'ai besoin de parler à quelqu'un. Ici, je sais pas, je me sens comme chez moi, quoi. Auparavant, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose sur Yona pour aider les jeunes et tout ça. Donc, heureusement qu'ils l'ont fait. On se sent comme chez soi. Et ça aide pour les stages, ça aide pour les CV, ça aide pour tout, en fait.